C'est un peu l'effet que me fait le design de la nouvelle Yaris. Autant la précédente était tout en angle, un peu agressive et assez désagréable, autant la nouvelle prend le contre-pied total et joue plutôt la boursouflure. Bon, c'est un style qui peut plaire, moi je suis pas totalement fan. Nouvelle, la Yaris ne l'est pas que par son design, elle l'est aussi par sa structure qui est nouvelle, par son moteur en 3 cylindres inédit et par son système électrique hybride qui lui aussi est inédit. Cela garantit de meilleures performances et des consommations globalement en baisse. À bord, le design a été entièrement repensé, il est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire un petit peu boursouflé, je dirais, mais pas désagréable pour autant, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de rangements, j'aime bien, on voit là, par exemple, avec un revêtement antidérapant, là, la coudoir centrale s'ouvre, il y a des rangements dans les bacs de portières qui sont un petit peu trop étroits à mon goût. Les matériaux, bien il y a du plastique moussé, vous savez que nous, on aime ça, les journalistes. En dessous, c'est un petit peu plus basique, il y a quand même une clim bizone. L'équipement est complet sur cette version haut de gamme, il y a un afficheur tête haute, un écran central tactile plutôt bien fait. Devant soi, on découvre une instrumentation entièrement digitale, ergonomique, l'ensemble est simple d'usage, et ça, il faut le souligner, parce que sur les voitures modernes, c'est souvent un casse-tête. Avant de s'installer, on regarde les places et on se dit, il n'y a pas d'espace. Et une fois installé, bah finalement, de l'espace, il y en a un petit peu, c'est pratiquement suffisant. Le siège est réglé pour moi à l'avant, je mesure près d'un mètre 90, et vous voyez, je tiens de manière presque agréable à l'arrière. C'est limité pour les jambes, mais pas trop, c'est limité pour la tête, mais pas trop. Donc dans l'ensemble, cette voiture, on s'en sort pas trop mal, surtout que sa longueur est assez contenue, elle est à moins de 4 mètres. Le coffre, me direz-vous, eh bien, il n'est pas immense. Je tiens dedans parce que je fais des efforts. Vous voyez, je donne de ma personne pour Caradisiac et pour vous informer, mais son volume est inférieur à 300 litres et dans la catégorie, c'est carrément faible. Alors on se souviendra que l'ancienne Yaris hybride au volant avait tendance à brailler quand on accélérait à fond. Ça, c'était dû à la transmission en variation continue. Et sur la nouvelle génération, le système a été amélioré. Par exemple, quand on met le pied au plancher, effectivement, le moteur va gagner en régime, mais il ne va pas tout de suite atteindre son régime de régulation. Il va continuer à prendre des tours pendant que la voiture continue, elle, à prendre de la vitesse. Donc du coup, il y a moins cette sensation que le moteur mouline et de patinage. En agrément de conduite, la voiture gagne nettement. Alors par rapport à l'ancien modèle, la puissance est en hausse, on passe de 100 à 116 chevaux. Du coup, les performances progressent. Le 0 à 100 est annoncé en un peu plus de 10 secondes, ce qui est un temps intéressant. Dans les faits, on n'a quand même pas une voiture sportive. Quand on accélère pied dedans, bon, ça marche gentiment. Mais le moteur étant pas très démonstratif et la boîte ayant tendance à tout lisser, on n'a pas beaucoup de sensations. L'amortissement est plutôt bien jugé. Il est un petit peu sec, mais c'est pas inconfortable. Et surtout, ça contient bien les mouvements de caisse. En revanche, là où je suis moins convaincu, c'est pas la direction en fait. Elle est précise, elle est assez rapide, mais alors elle a aucun feeling. Et quand on est en virage, il n'y a pas de montée en effort, donc on se sent un peu déconnecté du train avant. On a l'impression que ça va glisser, en fait non, il y a un bon grip, mais la sensation est assez déconcertante. En fait, c'est une voiture qui n'incite pas du tout à rouler vite. Et c'est là, en fait, toute l'astuce de Toyota avec ses modèles hybrides depuis le début, c'est que les gains en consommation réalisés par ces modèles sont liés à 40 ou 50% au mode de conduite, à la conduite que la voiture vous impose. Ça, c'est un point assez intéressant à soulever. Ensuite, effectivement, en moyenne, là je regarde, on est à 4 litres, 4 litres 1. Il faut reconnaître qu'on a fait beaucoup de traversées de villages, comme maintenant. On n'a pas beaucoup roulé sur autoroute, donc effectivement, le trajet qui nous a été imposé par Toyota est conçu pour bien abaisser les consommations, mais c'est efficace dans des conditions d'utilisation similaires. Je ne pense pas qu'une voiture thermique puisse faire beaucoup moins. Avec cette Yaris, peut-on réellement attraper le virus de l'hybride? Est-ce une voiture réellement propre, réellement désinfectée pour l'environnement? Eh bien, en matière de consommation et donc d'émissions de CO2, oui, le contrat est rempli. La voiture en moyenne consomme 4 litres au 100, c'est ce qu'on a fait sur plus de 100 km de trajet. C'est très peu, donc ça veut dire peu de CO2. En plus, c'est des gaz qui sont très filtrés, parce qu'il y a un cycle Atkinson sur le moteur qui optimise la combustion du mélange air essence. Est-ce qu'en matière d'agrément de conduite, le compte y est? Je dirais, tant qu'on est tranquille, oui. Le moteur 3 cylindres à arbre contrarotatif est très doux à l'usage.
il est bien insonorisé, mais par contre, dès qu'on essaie d'entamer une conduite un petit peu sportive, un petit peu active, bon, ben, les défauts inhérents à ce type de transmission, c'est-à-dire une transmission à variation continue, demeurent, même s'ils ont été atténués par rapport à l'ancienne génération. Donc ça veut dire que le moteur a tendance un petit peu à brailler quand on met vraiment le pied dedans, même si c'est, je répète, atténué. Les performances sont correctes, mais pas folichonnes, donc il n'y a aucun agrément particulier à tirer de ce mode de conduite. Donc en fait, tant qu'on roule tranquillement et respectueusement des limitations de vitesse, cette voiture, effectivement, consomme très peu, donc émet très peu de gaz, donc le contrat est rempli.